footy footy. One in the got a baba got a human in it. A jingere. And la human only, nothing in all in a duna. Funo and the get a filam, get a fija, dilan jay, bona yama, come up jay, no, who toutes et à tous d'être venus pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, donc, qui est organisée par la coordination des associations guinéennes de France, en partenariat évidemment avec toutes les associations membres et non membres et les amis de la Guinée. Nous avons cette année et mis en place un système qui va fonctionner en deux étapes. La première étape qui va être consacrée sur cette journée, que je vais présenter après, et puis la deuxième étape qui sera une soirée dansante jusqu'à l'aube, et c'est l'association membre de la coordination Rue Lunaise qui s'occupe de cette partie, deuxième partie évidemment, en partenariat avec la CHF. Donc le déroulé de cette journée va se faire en deux étapes. La première étape va concerner ce mini débat, entre guillemets, et la deuxième partie, ça sera une animation artistique. Donc pour la première partie, nous aurons un petit message de bienvenue du monsieur Kassama Mohamed Lamine, l'adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris. Ensuite, le président de la coordination des associations guinéennes de France, M. Kerno Kamara, nous fera une brève présentation de l'événement. Et nous aurons ensuite son Excellence M. Amara Kamara qui nous fera une présentation sur la fête de l'indépendance de notre pays. Et ensuite, nous avions Madame la ministre française chargée donc, de la francophonie, qui voilà, devait être là, mais a eu un empêchement de dernière minute. Donc, c'est son conseiller qui va la représenter, nous donnera les raisons. Et donc, sans tarder, je vais passer directement la parole à M. Kassama pour qu'on puisse être dans les temps. Donc, déjà, la bienvenue donc, à la mairie du 20e arrondissement de Paris, car quand vous êtes dans le pavillon Carré-Baudouin, vous êtes à la mairie. Donc, c'est notre auditorium qui accueille donc, les conférences, les débats, quelquefois des activités culturelles, donc dans cette salle qui devient maintenant très connue dans Paris, et même, j'irai au-delà de Paris, dans le monde et en Guinée. Donc, vous êtes chez vous en étant dans cette salle. C'est, comme d'habitude, un réel plaisir de vous avoir, vous et la communauté guinéenne. J'ai le plaisir de saluer, bien sûr, son Excellence, M. Kamara, donc votre ambassadeur ici à Paris. Je salue aussi donc M. Ruiz, qui est donc le représentant de Yamina Benguigui, qui est ma collègue dans le conseil d'arrondissement et donc ministre de la francophonie. Ça prouve que finalement, le 20e a bien travaillé dans ce domaine-là. On a une ministre qui donc traite de ces questions-là au sein du gouvernement dirigé par Jean-Marc Ayrault. Donc c'est aussi une fierté pour nous d'avoir Yamina dans ce ministère-là. Je remercie bien sûr la présence de M. Kamara, l'autre de la CAGF, le président, donc, qui est présent, M. Kadra, donc le vice-président, Sorel Keita, qui est le président de BDMTV, qui est toujours présent parmi nous pour voilà, la cause des banlieues et au-delà aussi hein, de l'intégration, de l'insertion. Monsieur Nabissouma, qui est aussi le président de la Fraternelle. Je ne veux pas tout, citer tout le monde, parce qu'après, on nous en veut. Mais par contre, je voudrais remercier la présence du doyen Ba, docteur Ba, qui est ici, qui est toujours un grand combattant de la cause guinéenne, et il faut lui reconnaître ce mérite-là. Je ne veux pas être très long, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, et répéter souvent ce que je dis de la Guinée. C'est le pays qui doit être le pays phare de la sous-région ouest-africaine, parce que, bien sûr, vous regorgez de moyens colossaux. Il suffit maintenant de mettre les moyens
économique pour que ce pays devienne vraiment ce qu'il doit être depuis maintenant des décennies, voire même depuis l'indépendance. Donc moi je dis simplement que les ressources sont là, les ressources naturelles, les ressources humaines sont là, il faut les former, il faut former les cadres, mettre des normes qui permettent de savoir comment on peut investir dans ce pays-là. Et quand on aura tout ce cadre qui est bien installé, bien connu de tous les Guinéens, je pense que ce pays deviendra ce qu'il doit être, c'est-à-dire un pays qui construit, un pays qui est là pour la prospérité de son de ses... Donc voilà, je ne veux pas être vraiment plus long parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole et qui expliqueront mieux que moi l'intérêt de ces réunions sur la Guinée. En tout cas, je vous souhaite de très bons débats. Et je laisse la parole donc au prochain orateur. Merci beaucoup. Dans la deuxième partie des interventions, il y aura M. Diarra qui traitera le rôle économique des migrants dans leur pays d'origine et leur implication dans leur pays d'accueil. Et puis derrière, nous aurons la présentation des activités de la CAGF et la réforme des statuts qui avait été voulue par les électeurs du nouveau bureau. Et donc nous ferons une présentation des grandes lignes. Donc je passe la parole au président de la CRGF. Merci. Monsieur le représentant de la ministre de la Francophonie, nous sommes très honorés de l'implication de la ministre. Cela témoigne de sa volonté, de son implication depuis longtemps pour la cause des migrants, pour la lutte pour les droits des migrants et pour la Francophonie qui fait partie de ces nouvelles attributions. Mais aussi ça montre la réalité de l'engagement de l'équipe gouvernementale actuelle pour être auprès de ses citoyens. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, la salle est ravie de vous accueillir bien naturellement ici à la mairie du 20e qui est chez nous comme l'a dit Monsieur le maire. Voilà, donc soyez les bienvenus. Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de France et vice-président du Forum, c'est aussi un grand bonheur pour nous que vous soyez parmi nous. Bien naturellement, monsieur le maire, qui est maintenant un de nous, un des nôtres, voilà, qui est présent à toutes nos activités, et c'est grâce à qui, grâce à la mairie, on a cette salle-là aujourd'hui. Au mois de novembre dernier, nous tenions aussi le Forum social de l'Est parisien ici, voilà, grâce à l'appui de la mairie, grâce à l'implication personnelle de M. Gassama. Et au mois de novembre, on aura aussi le forum de l'emploi talent de Guinée, aussi qui se tiendra dans cette mairie-là, pour vous dire que la mairie devient la maison de la Guinée. Il faut qu'il en soit remercié. Alors, chers invités, chers publics, la coordination des associations guinéennes de France est donc ravie de recevoir cet après-midi pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Nous avons souhaité, à cette occasion, centrer la journée autour du rôle des migrants. Je pense que c'est un thème qui nous concerne tous, c'est un thème qui nous fédère, et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est pourquoi nous travaillons tous. Il s'agit de savoir, de saisir cette opportunité-là, pour passer nos messages, voir quelle est la spécificité des migrants, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu'on soit guinéen, qu'on soit malien, qu'on soit vietnamien, et quelles sont les actions autour desquelles nous sommes mobilisés, et quelles sont les actions autour desquelles nous pouvons nous fédérer. Donc c'est en ce sens que la présence de M. Diarra, qui est le vice-président du Forum, cette présence représente pour nous un triple symbole. Le premier, c'est l'occasion de rendre hommage au Mali, au peuple malien, qui traverse actuellement, comme vous le savez, vraiment un drame inqualifiable. Voilà. Donc c'était pour nous une façon, premièrement, de rendre hommage à ce peuple-là. Deuxième point, par rapport au thème, les migrants maliens sont un exemple vraiment du rôle qu'un migrant joue dans son pays d'origine. Le troisième symbole, donc comme je le disais, c'est le vice-président du Forum qui est une plateforme représentant tous les migrants en France. C'est l'une des rares plateformes qui existe. Je ne veux pas m'étendre là-dessus.
Alors, un petit mot sur la CAGF par rapport à la journée. La CAGF est une structure fédérative qui est là pour renforcer la capacité des associations membres. Alors, c'est une coordination donc différente d'une association de base, et c'est pour ça que les nouvelles orientations prises par le bureau actuel visent vraiment à mettre la coordination à la place qui lui revient pour renforcer la capacité des associations. C'est en ce sens que cette année, nous avons travaillé sur le projet, sur l'accompagnement des associations. On reviendra là-dessus, un responsable du projet va donner des détails, et qui commence vraiment à donner ses fruits, parce que pour la première fois qu'on accompagne, en tout cas dans le cadre de ce programme des associations, la CAGF a été la structure qui a eu plus de projets financés. Monsieur Diarra peut-être en dira quelque chose. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est donc l'aspect réforme dont Malik a parlé en introduction. Faire de la CAGF une structure représentative des associations membres, représentative des migrants guinéens, et avoir une connaissance précise de ses membres et capitaliser sur toutes les actions que font ces membres. Il nous paraît évident de mettre tout ça en cohérence pour que nous passions de la réussite individuelle à une réussite collective. À chaque fois qu'on s'est rassemblés, on a fait des pas en avant. L'histoire de la Guinée l'illustre éloquemment. En 58, il y a eu un rassemblement unitaire qui a conduit à l'indépendance de la Guinée. En 77, on peut citer l'exemple de la mobilisation unitaire des femmes qui a assoupli les conditions commerciales pour ces femmes-là. Et en 2007 aussi, c'est l'exemple aussi qui illustre que lorsque le peuple s'est unifié, on a eu le changement qui s'est amorcé. En tout cas. Donc ça, c'est un exemple, ce sont ces exemples-là autour desquels la CAGF veut vraiment se développer. En mettant tout cela en place, nous visons un seul objectif, rendre la structure solide, représentative et dépersonnalisée. Bon. Et comme il s'agit de la Guinée, bon, je vais dire un petit mot sur la Guinée par rapport à ça. Je pense que, à l'image de cela, nous attendons à ce que les autorités guinéennes actuelles qu'ils mettent tout en place pour que nous ayons des institutions solides, démocratiques et dépersonnalisées, pour qu'on puisse sortir vraiment du désarroi dans lequel le pays se trouve depuis 50 ans. Et c'est la condition sine qua non pour qu'on sorte de là. Tant qu'on ne dépersonnalise pas nos institutions, on restera là, on continuera à regarder notre avenir derrière nous. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je termine en renouvelant au nom du bureau de la coordination des associations guinéennes de membres et de ses membres. Au nom de vous tous, remercier nos invités, remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vois M. Ba qui vient de Lille, Kaba qui vient de Tours, je vois M. et Mme Baldé, bon, je ne vais pas citer tout le monde. En tout cas, merci à tous pour votre présence à cet événement. Bonne fête à tous. Merci l'ambassadeur de Guinée en France. Merci. Donc, monsieur Amar Kamara. Chers amis de la Guinée qui est avec nous aujourd'hui, chers compatriotes, mesdames et messieurs, vous savez, on est réunis pour fêter le 54e anniversaire de notre indépendance. Comme M. le Président vient de le citer, ensemble on peut tout. La Guinée est une famille. Quoi qu'on veuille le dire, pour être ensemble, il faut que chacun s'accepte. La démocratie est un vainqueur et un vaincu. Si le vaincu considère que la démocratie c'est seulement quand il gagne, à ce moment, on a du mal avec les institutions solides. Ces institutions-là existent, et il nous appartient de le regarder en face, d'accepter que chaque Guinéen a le droit. Il n'y a pas de personnalisation de pouvoir.
Si vous êtes élu président de la République, c'est pas ça doit être une institution, c'est à travers une personne. Donc la personnalisation de quoi que ce soit, la Guinée a toujours été, tous les pays du monde ont été gouvernés par des institutions solides, acceptées par tous. Vous savez, le Ghana, quand le président a été élu, c'était avec 0,5% de différence. Le parti l'a accepté. C'est ça la démocratie. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est simplement, aujourd'hui, nous sommes là pour gouverner et on gouvernera dans les règles de l'art pour le pays, dans l'intérêt du pays. Donc, pour son unité, pour arriver à faire de ce pays un pays émergent, parce que 54 ans d'indépendance, pour nous retrouver dans l'état dans lequel on est et qu'on reproche aujourd'hui à qui? Qui est responsable de ça? Qui, en 52 ans, a mis la Guinée par terre? Qui a fait quoi? La huitième fois qu'on se présente devant le club de Paris, c'est la première fois qu'on atteint le point d'achèvement. Que ce soit rien du tout, c'était rien, mais eux ne l'ont pas réussi. Et pourquoi? Donc, si nous voulons que ce pays avance, il faut qu'on soit ensemble, qu'on se donne la main, qu'on se respecte surtout. Cette journée est le prolongement de celle de Bokeh, où il y a eu un succès, et que c'est la première fois que nous fêtons l'indépendance dans une région. Pour ce faire, Bokeh a eu un certain nombre d'équipements. On espère que nous poursuivrons à Zérékoué la même chose. Quand les femmes de Kakandé sont venues me voir au mois d'août pour me demander de parrainer la soirée d'aujourd'hui, j'ai donné mon accord parce qu'on doit à ces femmes-là, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la fierté de la Guinée. C'était, d'abord, ce sont ces femmes. Ce sont les femmes. On a commencé depuis avant l'indépendance avec une Malia qui est notre premier martyr du Guinée. Ces femmes ont changé le cours de la révolution en demandant la fin de la police économique. Ces femmes sont sorties pour dire non à l'ethnocentrisme, non à la corruption, et on leur doit ça. Donc je ne pourrais pas refuser à ces femmes de Kakandé de parrainer leur soirée. Je suis ici parce que je suis guinéen. Ça va vous surprendre, mais je n'étais pas invité. Mais, comme je l'ai dit, je serai toujours, toujours, partout où seront les Guinéens, je serai avec eux. Je les accompagnerai du mieux que je pourrai, je suis là pour eux. Je suis là pour la Guinée, je suis là pour les Guinéens. Partout où ils seront, je serai prêt à les rencontrer, et à la limite, à débattre avec eux. Parce que c'est aussi la richesse des idées, c'est confronter les idées et débattre. Il y en a qui ont déclaré que le président avait fui la Guinée alors qu'il se trouvait au marché de Madina. Vous savez, quand on dit des choses comme ça, on ne grandit pas à la Guinée. L'image de la Guinée, ce n'est pas Alpha Condé. Alpha Condé, on peut ne pas être d'accord avec Alpha Condé, je l'accepte volontiers. Mais qu'on soit contre la Guinée, c'est dramatique. Et ce n'est pas normal qu'on se donne la main dans l'union pour faire de ce pays qui a les d'énormes moyens un pays émergent, un pays où il fait bon vivre. Nous n'avons aussi d'une génération qui n'a pas connu l'ethnocentrisme et je n'ai pas l'intention de marcher sur cette trace-là. Je demande aux Guinéens de se reconnaître en tant que Guinéens, d'être fiers d'être Guinéens. Nous avons toutes les raisons d'être fiers. Nous avons voté en 58, non, et nous avons cette fierté qu'il faut que nous l'ayons dans le développement. Maintenant qu'on a pris ce chemin-là, vous avez élu un parti, un gouvernement, laissez-le gouverner pendant 5 ans. On verra avec les Guinéens dans 5 ans, à la fin du mandat, si notre président est élu, nous serons les premiers à le féliciter pour que vive la Guinée, pour que vivent les Guinéens dans des conditions nettement meilleures. Je vous remercie. Merci à son Excellence l'ambassadeur de Guinée. Bon, je dirais que, bien évidemment, la société civile, même si le gouvernement actuel n'est pas responsable de tous les problèmes de la Guinée, mais la société civile va demander toujours plus. Et je pense que c'est un peu normal et qu'on demande à ce que les institutions évoluent vers l'excellence, évidemment, qu'on n'atteindra jamais puisque c'est un idéal. Donc je vais passer la parole à monsieur le conseiller de madame la ministre française chargée de la francophonie, donc qui va représenter madame Yamina. Je voudrais m'excuser de ne pas être avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'elle devait être là, mais ses obligations ministérielles m'ont empêché de venir puisqu'elle doit représenter Laurent Fabius aujourd'hui à Paris, Laurent Fabius qui lui-même est à l'étranger. Et donc je vais vous lire le mot qu'elle était censée prononcer devant vous aujourd'hui.
Alors son discours n'a pas été modifié en conséquence, donc je le lis comme si elle était là. Monsieur l'ambassadeur, cher Mohamed Gassana, chers collègues du 20e arrondissement, mesdames, messieurs les responsables de la coordination des associations guinéennes de France, chers amis, mesdames et messieurs, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Cette journée a été placée sous le signe de l'échange des cultures et aura permis de réunir des acteurs associatifs guinéens pour valoriser le rôle des migrants dans le développement socio-économique. Je veux saluer M. Amedi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, qui a apporté son concours à l'organisation du programme de cet après-midi. Je veux saluer aussi les artistes, les bénévoles et toutes les personnes engagées dans les associations guinéennes qui ont permis cette journée de célébration et de fête. Mes remerciements vont particulièrement à Mohamed Gassana, élu comme moi du 20e arrondissement, qui a largement contribué à la réussite de cette journée et m'a invité à venir vous saluer. Comme vous le savez, le président François Hollande m'a nommé ministre de la Francophonie en mai dernier. C'est une mission très importante qui a un lien essentiel avec l'Afrique, avec les Africains, ceux d'Afrique et ceux d'ici. C'est une mission importante parce que la francophonie n'est pas seulement une langue commune. La langue française, c'est 250 millions de personnes dans le monde, sur tous les continents, qui nous font l'honneur et qui nous font le bonheur de parler une langue de partage, une langue égalitaire et solidaire. Cette mission est importante parce que la francophonie porte les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté. Vous vous souvenez tous que les printemps arabes en Tunisie ont commencé par ce mot français « dégage ». Et la langue française n'a pas empêché les pays d'Afrique d'accéder à leur juste indépendance, comme la Guinée il y a 54 ans. Au contraire, comme disait l'écrivain algérien Kateb Yassine, la langue française est un butin de guerre. Une mission importante parce que le lien entre l'Afrique et la francophonie est essentiel, quand on sait que la moitié des francophones aujourd'hui vit en Afrique et dans une quarantaine d'années, 80% des locuteurs francophones seront africains. Comment dans ces conditions pourrait-on faire la francophonie sans les Africains ? L'histoire de la francophonie, cette idée d'unir des peuples autour de valeurs communes pour la création de ce que Senghor appelait un nouvel humanisme, a justement débuté dans la foulée des indépendances africaines et les bases en ont été posées dès la déclaration de Niamey en 1969. Avec le sommet des chefs d'État francophones qui débute dans quelques jours à Kinshasa en République démocratique du Congo, nous espérons écrire une nouvelle page importante de cette histoire francophone, de cette histoire placée sous le signe de l'humanisme, une francophonie débarrassée des oripeaux du colonialisme. J'ai une grande ambition pour la francophonie. Elle sera à hauteur d'homme, car je crois qu'aucune politique ne sert si elle ne met pas l'humain au cœur de son projet. Mon projet s'appuiera sur la jeunesse africaine, sur les femmes et les mères qui sont les premières victimes des conflits et des guerres, et qui sont aussi le moteur du développement et du progrès. Il s'appuiera essentiellement sur la société civile, c'est-à-dire sur vous qui êtes là aujourd'hui. Vous qui commémorez aujourd'hui l'indépendance de la Guinée, vous qui sans rien oublier de votre passé, de votre histoire, construisez votre vie là où vous êtes, au moment où vous y êtes, vous qui peu à peu vous enracinez, en offrant à ce pays d'accueil qu'est la France, à ce territoire qu'est Paris, toute la richesse de votre diversité culturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. On a une organisation qui représente l'ensemble de la diaspora, en tout cas qui est représentative de l'ensemble de la diaspora malienne. Et évidemment, dans les projets de réforme de la CAGF, nous aborderons ces questions-là. Donc, monsieur Diarra, merci beaucoup. Vous avez la... Frères et amis guinéens, d'avoir fait ce grand honneur à deux structures, le Forum et le Haut Conseil des Maliens de France, dont je préside les destinées. Comme le monsieur le président vient de le dire, je suis vice-président du Forum. Alors le protocole veut, ce n'est pas, le mien n'est pas un discours, c'est tout simplement vous parler un peu de ce que nous avons été, migrants. Et d'un un certain rôle au rôle d'aujourd'hui.
Mais ceci dit, je ne vais pas me soustraire au protocole. Donc je commencerai comme tout le monde. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le représentant de Madame la Ministre, même s'il est parti, Monsieur le Maire, parce que Mohamed est maire adjoint, si je ne m'abuse. Donc dans le protocole, on l'appelle également Monsieur le Maire. Mesdames et Messieurs, amis et frères guinéens et amis de la Guinée, il y a 54 ans, sous la houlette Ahmed Sékou Touré, un pays colonisé a osé dire non. Non à un grand homme, lui, grand homme africain, à un autre grand homme européen, puisqu'à l'école, à l'époque, De Gaulle était un mythe, il le reste encore à bien des égards, mais il en était encore un. Donc il est du devoir de nous tous, ce jour anniversaire de la libération d'un peuple qui a été le symbole de toute l'Afrique, de l'honorer, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se trouver, puisqu'aujourd'hui, un autre grand homme avait dit la même chose, mais son pays est occupé, c'est le mien. On m'a demandé de dire un tout petit peu ce que font les migrants, tant pour leur pays dans le domaine économique, disons pour le développement de leur pays d'origine, mais aussi ce qu'ils font ou ont pu faire, et peut-être je dirais même pour en faire, dans le pays de migration. Je ne m'étendrai pas un peu sur les origines, puisque beaucoup de gens ont travaillé sur la thématique, ont écrit, des étudiants du monde entier sont allés à des écoles, ont préparé des thèses sur le sujet, mais puisqu'il est inépuisable, il y en aura encore d'autres. Je vous dirai tout simplement très brièvement, un peu en termes d'étapes, d'où nous sommes partis pour comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Effectivement, ce ne sont pas toutes les communautés migrantes de tous les pays qui sont dans cette dynamique, puisque en fonction des origines, je dirais un peu géographique, il y a une différence. Le mouvement associatif qui s'intéresse au développement des pays d'origine a été d'abord à dominante africaine, l'Afrique au sud du Sahara, ensuite le Maghreb, et depuis quelques années, les pays de l'océan Pacifique, qui parce que n'immigraient pas beaucoup vers la France, mais depuis quelques années y immigrent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la même tradition d'organisation ailleurs, si je prends l'exemple du Canada pour Haïti, et l'Asie, où un certain nombre de pays, depuis quelques temps, immigrent, les ressortissants immigrent en France et sont aussi engagés dans cette dynamique. Donc, pour les premiers, les vétérans, juste après les indépendances, c'est les calamités naturelles auxquelles ont été confrontés les pays sahéliens qui ont provoqué les vagues d'immigration vers beaucoup d'horizons, hein, mais le cas qui nous concerne, vers la France, beaucoup de Maliens, de Mauritaniens, de Sénégalais. À l'époque, pas beaucoup de Guinéens, dans la mesure où sûrement la Guinée n'était pas frappée de la même manière par les conséquences climatiques. Donc les gens se sont trouvés en France, presque démunis, parce que quand ils débarquaient à Marseille, il y a une adresse qui est connue, même dans les villages maliens, c'est la rue des Dominicaines. Mais comme en français, Dominicaine, tout le monde ne pouvait pas le prononcer, ça se rapproche un tout petit peu d'un mot bambara, Dumuniqué. Donc tout le monde connaît la rue Dumuniqué. Quand tu débarques, tu le dis. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Dominicain, moi j'ai... Excusez-moi, oui, alors, j'ai dans mon inconscient personnel, je vous vois en malinqué. Erreur, je m'excuse. Donc, ça veut dire manger. Donc, tout le monde sait quand un Africain noir vous demande Dominicain, c'est Dominicain. La rue dominicaine. Donc tout le monde s'est dirigé là-bas et vous trouverez quelqu'un qui va vous prendre en charge, qui vous enverrait, je ne sais pas, à Bordeaux, à Paris, pour, voilà, les autres destinations. Débarquant du bateau, voilà, on va à la rue dominicaine, on s'arrête, on dit je vais à Paris. Quelqu'un va vous prendre, il va vous donner à Dominicain d'abord, il vous fait manger, après il trouve les moyens de vous mettre dans le train vers votre destination. Donc ça c'est le premier élément de solidarité, les réseaux. Ensuite, se trouve en grande majorité à Paris, en région parisienne. À l'époque, il n'y avait pas de foyer. Les foyers ont commencé, mais c'était pour les Algériens. C'était la Sonacotra, actuelle Sonacotra, où en 1956, voilà, quelqu'un qui voit loin a dit qu'il faut préparer les conditions d'accueil, mais c'était réservé seulement aux Algériens, quelques Marocains peut-être. Donc, la masse des migrants venus d'Afrique au sud du Sahara sont dans les hôtels meublés. Mais hôtels meublés, c'est un luxe. C'est dans les caves des hôtels meublés et dans les caves des restaurants. Il y a eu beaucoup de drames. Ensuite, quelques bidonvilles, là où encore il y a eu beaucoup de drames. Donc, de drame en drame, on a commencé à aménager des hangars ou bien des anciennes usines, des anciens ateliers pour ces migrants et les mettre ensemble. Donc, il fallait s'organiser. Voilà déjà le premier réflexe, s'organiser. On gagne moins, on est venu pour faire vivre la famille. Comment faire pour ne pas tout mettre dans le loyer et le manger? Comment on fait? Eh bien, on s'organise, on fait le manger collectif où chacun met quelque chose, on fait la cuisine à tour de rôle. C'était très dur, oui. On finissait le boulot, on arrivait à 20h. Si c'est votre tour, il faut préparer de 20h à 22h. On mange à 22h, 22h30, on se nourrit. Premier élément de réflexe. Le second élément, on est malade. Les gens ont peur, on a tous peur de mourir, mais surtout de mourir en France. Et quand on est mort en France, comment on va faire? Donc il fallait s'y préparer, mettre en place des mécanismes qui vont prendre en charge les malades avant qu'ils meurent. On rapatrie des gens dès que l'on sent qu'ils sont un peu malades. Dieu sait s'il y en avait, parce que la tuberculose était là grâce à cause des conditions de vie. Donc voilà un certain nombre de réflexes qui ont poussé les gens à s'organiser. Donc ces années-là ont été des années de prise en charge de la famille, uniquement la famille. Bon, on pensait que la chasseresse, quand elle va finir, bon, ça y est, on va retourner au Mali, au Sénégal, à la Mauritanie. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Non seulement à la durée, mais en plus de ça, désormais, les gens pensent que c'est l'immigration. Il faut immigrer quand même. Les années 80 ont tranché avec ça. Il y a eu un changement. Le changement par rapport au même réflexe, c'est que les gens, leurs familles sont confrontées à des maladies. Et des femmes qui meurent en accouchant. Il y a plein de gens, des jeunes, en particulier les jeunes femmes qui viennent de se marier les premiers enfants, c'est une inquiétude. Quand les enfants sont nés, ils meurent en bas âge. Les gens sont confrontés à ce drame. Alors, soi-même, quand on retourne, au bout de la deuxième semaine, on tombe malade. Et du coup, les gens, ils ont leurs amis dans les hôpitaux, au cas où ils tombent malades, ils trouvent un médecin qui les prend en charge, moyennant, voilà, vous savez, le système, pour être sûr que lorsqu'on est malade, quand on vient, on passe en premier. Parce que, et on a dit, mais jusqu'où on va aller comme ça? Donc, l'idée de s'organiser pour créer des centres qui peuvent apporter les premiers soins de nécessité, est née. La seconde chose, c'est par rapport à la vie. On est devenu, quelque part, on s'est aperçu qu'on veut secourir la famille, mais on est aussi devenu des vaches à lait. Une fois qu'on a dit qu'il n'y a plus rien à manger à la maison, même si on va prendre à crédit chez Excellence,
On ira chez lui, il va nous donner un crédit. On l'envoie. Mais on s'est aperçu qu'on abuse. C'est pas vrai. Ce n'est pas toujours la famille. C'est parce qu'il y a aussi des gens voilà, qui n'ont pas de scrupules. On a dit, ben, pour ça, il faut arriver à contrôler. Et en tous les cas, dans les trois pays que je connais bien, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, les gens ont dit, ben, on va mettre en place des systèmes de mise en commun des besoins pour aller s'approvisionner. Non seulement ça permet de rendre les choses un peu plus faciles à gérer et à contrôler, mais aussi amener jusque dans les villages les choses moins chères. C'est la naissance des coopératives d'approvisionnement et de fil en aiguille, les problèmes d'éducation, etc. etc. Donc du rôle de réflexe de survie, à répondre aux besoins de la famille, on est devenu des acteurs. Des acteurs, puisque on fait des choses que normalement reviennent à l'État. Mais en même temps, on a essayé de combattre dans tel ou tel pays, que ce soit au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée. Les gens ont dit il faut titiller les pouvoirs locaux. Mais en même temps, on s'aperçoit, même si on les titille, des fois, ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on est obligé d'assurer ou d'assurer en tous les cas ce rôle-là jusqu'où on peut. Donc, on s'est dit, mais puisqu'on est maintenant dans ce domaine, on fait des choses qui reviennent à l'État par la force des choses, il faut aussi réfléchir au moins de s'organiser encore davantage. Parce que nous ne pouvons pas rester à cette échelle qui est un tout petit peu artisanale. On ne sait pas jusqu'où ça va terminer, donc autant faire la prospective. Beaucoup de gens ont commencé à réfléchir à des mécanismes et on a dit qu'il faut créer des structures légales. Ça facilite la gestion, la transparence, mais aussi les rapports entre nous et l'extérieur. Mais ce n'était pas facile parce qu'il y a une loi en France au sortir de qui date de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la circulaire 45 de 1945, je crois, c'est ça, interdisait aux étrangers de créer des associations. Donc quand vous entendez les FEANF, les FETAF et autres qui ont existé depuis bientôt certaines d'entre elles 50 ans, ben, ce n'était pas des immigrés. Bon, vous me direz, il y a plus de 50 ans, ils étaient français. Nous étions, voilà, ceux qui ont aujourd'hui, voilà, les Sékou Touré, les Modibo Keïta et autres, ils étaient français. Donc, ils pouvaient créer leurs associations à leur nom. Mais une fois les indépendances, tout pays qui est indépendant, et quand on a la carte d'identité d'un pays indépendant, et qu'on n'est pas français, on n'a pas le droit de créer son association. Il a fallu attendre. Donc, un certain mot d'ordre ont commencé à circuler. L'égalité des droits. Bon, dans les usines, c'est français immigrés, même patron, même combat. Après, français immigrés, égalité des droits. Et par rapport à l'égalité des droits, l'égalité des droits de créer son association. Donc, cette revendication a trouvé sa réponse en 1982, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Cette disposition a été abrogée et ça a libéré les énergies et les initiatives. Je dirais les initiatives, les énergies étaient là, étaient canalisées en quelque sorte. Donc, voilà, on s'est mis à créer nos associations, légalement. Une fois cela fait, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, il faut discuter avec d'autres pays pour tisser des liens. La deuxième chose, pour qu'ils comprennent, ils sachent, ce qu'on fait. Des gens ne savaient pas, on nous voyait nous regrouper dans les foyers ou dans les lieux associatifs. On ne sait pas pourquoi. Ah, ils se voient tous les week-ends. Mais dis donc, ils n'ont rien à faire. Ah oui, non, mais ils ont la nostalgie du pays. Il y a ça, mais on a beaucoup à faire. Mais parce qu'il y a ce... Il fallait leur faire comprendre ce que nous étions en train de faire. C'est la phase de sensibilisation de la population aux problèmes auxquels on est confronté, qui ne soit pas seulement à travers la télé. Parce que les mass médias, c'est quand il y a le malheur. Vous avez vu l'Éthiopie.
mais vous ne verrez pas les inondations aujourd'hui à Dakar, et quand il y a d'autres malheurs ailleurs, vous les voyez moyens. Il faut que ça soit un grand drame sensationnel. Et à l'époque, les médias n'étaient pas aussi nombreux que ça. Il y avait en France 2 télévisions. Voilà. Après, il y en a eu 3, il y en a eu 5. Donc, ça, c'était un travail considérable, sensibiliser les gens. Et on est, à fur et à mesure de cette évolution, nous nous sommes aussi aperçus que le mot ONG ne couvre pas autre chose. C'est le statut, c'est les compétences. Nous, je prends un exemple, la région de Kaï, les migrants ont été les premiers à amener la deuxième ONG. J'ai dit la deuxième parce que la première, c'est une ONG caritative qui est arrivée à peu près 5-10 ans avant par le biais du monde chrétien. C'est le SECAMA, Secours catholique malien. En dehors de ça, personne ne s'aventurait à Kaï. Vous savez, hein, c'est la deuxième ville la plus chaude au monde. Donc, il faut que vous ayez le courage, il faut que vous soyez vraiment décidé pour imaginer aller s'installer des années durant pour entreprendre quelque chose. Et surtout quand on est né en France, et surtout quand on est blanc. Donc, c'est les Maliens de cette région qui ont amené la première organisation non gouvernementale à aller sur le terrain pour encadrer des projets des migrants maliens. Donc, on s'est aperçu que le mot ONG, c'est, vous avez une association loi 1901, vous avez les compétences dans un domaine, vous êtes ONG. Mais vous ne trouvez dans la ribambelle d'ONG aucune ONG qui soit une ONG dirigée par des Africains ou des Maghrébins. Pourquoi ? Eh bien, le même problème qui s'appliquait par rapport à la loi, le décret de 45, c'est à peu près ça. Ce n'est pas écrit, mais c'est dans les têtes. Les têtes des pouvoirs publics. On estime que non seulement, peut-être encore, on n'est pas mûr, mais en plus, on n'a pas confiance en nous, parce que le système clanique, le système des parents, on ne peut pas être objectif, mais aussi on est brouillon, etc. Beaucoup de clichés. Donc, on a mené le combat pour l'égalité entre associations, loi 1901. Cela suppose l'accès au financement. Ce combat a commencé dans les années 90 et ça a nécessité, dans la réflexion que les associations ont menée, à la nécessité de regroupement. Regroupement d'abord sur une large zone géographique dans un même pays, parce que de projet villageois en projet villageois, chacun a fait quelque chose chez lui. Maintenant, il reste des choses qui sont communes, c'est la route, c'est le développement économique, etc., etc. Donc, il faut qu'on démontre qu'on est capable de s'unir, qu'on ne prêche pas seulement dans nos seules chapelles, qu'on est capable d'aller au-delà. C'est comme ça que beaucoup de fédérations se sont créées. Il y a eu même des fédérations entre pays, puisque quand vous prenez un des membres du forum, alors je parle à Keïta, qui a été secrétaire général du FORIM, vous avez le réseau des associations du bassin du fleuve Sénégal, qui regroupe le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, qui est Bassam Akoni, qui a été l'une des premières à mener ce combat sur la nécessité de l'accès pour toutes les associations au financement public, etc., etc. Et la reconnaissance. Donc, un certain nombre d'autres fédérations l'ont rejointe. De 1997 à 2000, on a réussi à ce que les choses changent. Voilà le décor de cette période en France. Par rapport au pays d'origine, je l'ai dit, moi j'étais militant, j'étais jeune, mais les pouvoirs publics de mon pays ne me voyez pas autrement que les pouvoirs publics français. Hein. Soit je suis, quand je dis je, en tant qu'immigrant. En tant qu'immigrant, on ne peut être que des agitateurs, donc des emmerdeurs. On était nombreux à être très mal vus. C'est le propre des pouvoirs publics
lorsqu'ils ne contrôlent pas. Je le dis, Excellence, parce que moi, je suis aussi, je suis engagé politique et mon parti gouverne le Mali, mais j'assume que les pouvoirs publics ne voient pas de la même manière beaucoup d'acteurs de la société civile que les politiques. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas propre à la Guinée, ni au Mali, ni ailleurs. En France, c'est la même chose, peut-être avec un contenu différent. Donc, nous étions très mal vus, et quelquefois même maltraités, mais avec le courage et aussi l'autre courage, c'est d'accepter de discuter avec la personne qui est là, qui veut vous faire mal, vous dites peut-être qu'il ne comprend pas, qu'elle ne comprend pas. Si je lui fais comprendre, sûrement, elle aura un autre regard. Ça a pris effectivement plus de 10 ans dans certains pays, si je prends le cas du Mali. Même sous le temps de Moussa Traoré, ils ont fini par accepter les associations comme étant des vecteurs importants pour la vie locale et pour le développement du pays. Et de là, les mouvements étant là, bon, un certain nombre de pays, la situation a évolué et les associations ont évolué avec. Pourquoi ? Parce que d'acteurs de la société civile, il y a eu des gens, des cadres associatifs qui se sont trouvés acteurs politiques. Je m'explique. Il y a des Maliens, des Sénégalais, des Mauritaniens dans une moindre mesure, qui se sont trouvés maires, qui se sont trouvés députés à l'Assemblée nationale sous les couleurs des partis politiques. Et du coup, ça change. Puisqu'ils étaient ici, maintenant ils sont de l'autre côté. Où ils étaient là-bas, maintenant ils sont ici. Ben, ils sont obligés de s'expliquer et ils sont obligés d'expliquer aussi à leur parti la nécessité d'accepter donc, ces acteurs-là avec leur spécificité. Voilà comment, en 1991, avec l'évolution institutionnelle et politique au Mali, les migrants ont eu une place prépondérante. La Conférence nationale souveraine leur a donné 10% des sièges de l'Assemblée nationale. Il y avait une Assemblée nationale de 129 députés. 10% de 129, ça fait 12,90. Voilà, il n'y a pas un homme ou une femme à 0,90. Donc, on a 13. Les Maliens de l'extérieur ont droit à 13 députés. Bon, malheureusement, le courage politique n'a pas suivi. Là, tous les députés ont été élus, sauf les 13 des Maliens de l'extérieur. Ce qui signifie que l'Assemblée nationale a fonctionné pendant 5 ans avec une partie non élue du nombre des sièges. 13 députés n'ont pas été élus. Bon, après, ils ont trouvé que c'est trop compliqué. C'est pas, c'est vrai, c'est faux. Et on n'a pas. Donc, première place prépondérante. Seconde place, ils ont droit à avoir un membre au Conseil économique, social et culturel, au Haut Conseil des collectivités locales et territoriales. Cette dernière institution est presque une espèce de Sénat au Mali, puisque le président de la République, le gouvernement, sont obligés de la consulter. Elle ne peut pas s'opposer, elle peut donner un avis. Son avis, on n'est pas obligé de l'appliquer. Bon, mais en bon démocrate, des fois, on tient compte des avis des gens. Donc, premier élément. Le second, le deuxième élément, le troisième, c'est que désormais, dans chaque pays au monde où vous vous trouvez un nombre important de Maliens, vous avez le droit de créer votre haut conseil local. Le haut conseil des Maliens de Guinée, il y a deux illustres personnes, je ne vais pas dire leur nom, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne les appréciez pas très bien, dont l'un a été vice-président et l'autre a été président pendant 2 mandatures. Voilà pour le Mali, et il a suivi pour le Sénégal pour la mise en place des structures. En 1994, j'ai bossé à l'Institut Panos. Des frères guinéens sont venus me voir pour me dire, voilà, on sait ce que font les Maliens, nous voulons comprendre comment vous en êtes arrivés là. Nous allons vous discuter. Et la démarche, la dynamique de la création d'une structure a commencé là. Je ne sais pas quel moment, quelle date précise elle a pu voir le jour,
mais je me souviens de cette démarche et de ces discussions. Ensuite, il y a, vous savez, jusqu'en 2000, je crois, jusqu'en 2000, il y a ce qu'on appelle les commissions mixtes. C'était des instances entre la France et le Mali, la France et les pays du champ. On les appelle comme ça, les pays du champ. C'est-à-dire chaque pays où la France a une présence importante ou a des liens très importants avec ce pays-là, il y a des commissions mixtes. Et la société civile disait, c'est le lieu où on déjouait les coups d'État ou même des fois on préparait les coups d'État. Alors, ça va, on discute du centre de santé des quartiers jusqu'à comment on organise jusqu'au sommet de l'État. Ces commissions mixtes étant des lieux où des décisions importantes sont prises, la société civile française avait le droit d'être là dans une commission qu'on appelle ad hoc. Il participait aux réunions des gouvernements, mais la salle d'à côté, deux fois les couloirs et les machins seulement qui les séparent, ils ont le droit, elle a le droit de se réunir la société civile. C'était les ONG pour prendre point par point, dire que nous, bon, pas les coups d'État, pas les lois, mais par rapport au fonctionnement de la société, les mécanismes, les freins, etc., de donner leur point de vue. Aucune association des migrants n'y participait jusqu'en 1993. 1992, il y a eu le changement politique au Mali. Le président Alpha Omar Konaré est venu en visite d'État en France en 1993. J'ai eu la chance d'être mandaté avec un camarade pour aller lui parler de la nécessité d'être. Il me dit, camarade, nous on n'a pas les moyens. Vous, vous avez les moyens. Si vous pouvez venir au Mali, vous pouvez rentrer par la porte du Mali. La porte de la France, c'est la souveraineté de la France. Il a dit, nous, il n'y a que ça qu'on souhaitait. Et les migrants maliens, nous étions une cinquantaine à avoir fait le voyage, et nous sommes rentrés dans la commission ad hoc par la porte malienne. Alors, il se trouve une chose. Je dis ça parce que ça a un lien avec la société en France. Il s'est trouvé que les villes jumelées qui sont réunies au sein des cités d'Unis France n'avaient pas de place dans cette commission ad hoc où les ONG se réunissaient. Et l'État disait, c'est pas l'État, c'est cités d'Unis France. Donc nous, on ne vous prend pas. Et les autres disent, ah oui, mais c'est cités d'Unis France, c'est quand même pas une ONG. Nous, migrants maliens, nous avons exigé avec les ONG maliennes qui sont sur le terrain que Cités Unies soit France soit membre désormais de la commission ad hoc. Pour beaucoup de raisons que je vous dirai au cours des débats si les questions viennent. Donc voilà, je tiens à dire ça parce que la question c'est à la fois le pays d'origine et le pays d'accueil. Nous avons ouvert beaucoup de portes grâce à notre témérité. Et en 2000, lorsque les associations de plusieurs pays se sont retrouvées, ont travaillé pendant 3 ans pour la création d'une plateforme. Parce que les autorités françaises disaient à l'époque que les migrants n'étaient pas comme les ONG françaises, parce qu'ils ne voulaient pas dire qu'on n'a pas de compétences. En disant, est-ce que vous saurez fonctionner comme elles? Est-ce que vous saurez faire ceci? On a dit, faites-le, vous allez voir. Essayez. Alors un ministre a osé, Charles Josselin, il a dit, voilà, moi, j'ai fait kamikaze. J'espère que vous ne me ferez pas mentir. Moi, je vous accorde et je vous donne les moyens de vous organiser. Ainsi est créé le forum. Et Dieu merci, le premier pays qui a dit non à la France a donné le premier président du forum à la personne Alassane Barry. Et le forum, aujourd'hui, est l'une des plateformes les plus dynamiques, parce que dernièrement, un programme a été mis en place par l'Union européenne sur une thématique, les migrants, les migrations. Il y a, je crois, 9 pays qui sont concernés. Aucun des pays, pendant 2 ans, n'a pu répondre aux termes de référence sur la thématique. Ils sont venus voir le forum. Nous avons engagé
quelqu'un dans le forum qui a répondu à l'ensemble des thématiques et qui est devenu presque le porte-drapeau idéal de se réunir aujourd'hui pour discuter de cette thématique. Nous avons démontré que nous étions capables si on nous faisait confiance et aussi si on nous donnait les moyens. Je vais peut-être abréger pour que vous ayez quand même des questions à poser. En France, depuis plusieurs années, une des dynamiques importantes, c'est l'investissement dans la cité. Vous vous souvenez, les émeutes des années 2000, n'eût été les associations des migrants, peut-être que beaucoup de nos enfants seront en prison, mais où il y aura aussi beaucoup de casse, ça n'aurait pas honoré l'État français. Parce que quelque part, je dirais même, c'est même pas quelque part, c'est une réalité, c'est les Français que l'on met en prison. Certains, sans raison. Bien, nous n'avons pas dit ça à nos enfants, nous leur avons dit, si vous voulez compter, on va vous marcher dessus. Parce qu'il y a des pères des indépendances africaines sur lesquelles ils ont marché. Ça n'a entamé à rien leur enthousiasme. Vous voulez faire la même chose pour votre pays? Résistez. Résistez, c'est vous intéresser aux questions de la cité. Un des exemples, c'est Mohamed Gassama, maire adjoint. Beaucoup d'autres aujourd'hui, députés, notre ami la Tchadienne du 20e, qui aurait imaginé qu'une noire ou un noir se ferait élire dans le 20e. Vous me direz, c'est un quartier populaire. Mais à quel point? C'est parce que dans les affaires de la cité, comme on dit, peut-être aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point les membres des années. Voilà, ça a conduit à la mise en place des liens de coopération entre des collectivités françaises et les collectivités d'autres pays, que ce soit d'Asie, d'Afrique, du Maghreb et de l'océan Indien. Parce que cette idée de multijumelage, beaucoup d'entre vous le savent, mais on va seulement le dire, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est une idée que les gens trouvaient entre l'Allemagne et la France pour panser les plaies, pour la paix des braves, pour que la guerre ne soit plus la solution au problème. Ils ont mis en place le jumelage. Le jumelage contre la guerre et pour l'amitié. Donc voilà, aujourd'hui, des liens sont tissés, il y a des espaces d'expression. Je vois Miss Guinée. Bonjour ma Miss Guinée, puisque cette jeunesse franco-malienne, cette jeunesse franco-guinéenne, cette jeunesse franco-sénégalaise, franco-mauritanienne, franco-autre chose, l'ont compris et ont exprimé à travers des espaces qui leur sont offerts pour développer la culture des pays de leurs parents, d'où Miss. Je sais que les Guinéens ont beaucoup d'embarras du choix. Moi, j'ai été à une des Miss. Si j'étais du jury, peut-être que je ne voterais pas. Parce que... Merci. Voilà quelques éléments pour planter le décor. Nous vous remercions de votre contribution. Donc, nous allons poursuivre et donc, la journée avec la présentation des projets qui ont été accompagnés en 5 minutes. Par la CAGF et auprès du forum, et vous verrez que la CAGF c'est une première et a réalisé un excellent score, et Ablaï qui a été très impliqué sur cette question qui appartient à la fois à la CAGF et au forum va nous faire une brève présentation. Donc moi je vais vous parler rapidement de projet tel comme l'a été demandé par le président. D'abord pour rebondir un peu sur la CAGF et le forum, parce que en fait moi je suis actuellement le relais CAGF au sein du forum en tant que trésorier. Je salue Ahmed Diarra, notre vice-président, et qui nous a honoré de sa présence ici. Son Excellence aussi, merci beaucoup à tout le monde. La CAGF, on parle de l'apport des migrants ici et là-bas. Donc pour ici, à travers les actions qu'on mène sur les espaces de concertation et de participation aux activités de la société civile, on l'a démontré. Donc là-bas, par l'apport sur les projets
à travers la CAGF, on a mis en place un dispositif d'opérateurs d'appui au projet. Ces opérateurs d'appui accompagnent les associations à monter des projets pour le développement de leur localité d'origine. Cette année, dans le cadre du dispositif, on a accompagné à peu près 21 projets, dont 19 qui avaient été présentés. Donc sur ces 19, on a eu presque la moitié qui a été acceptée. Donc l'ensemble de ces projets ont été financés à hauteur de 15 000 euros par le dispositif PRAOSIM du FORIM. Il y en a certains qui sont moins que ça, mais ça démontre encore une fois un peu plus l'apport qu'on peut faire vis-à-vis de nos concitoyens qui sont restés là-bas et qui n'ont pas les moyens d'apporter ces éléments. Ensuite, il y a eu un autre appel à projet qui a été lancé par le ministère tout récemment. On a été à l'ambassade en présence de Son Excellence, présenter un peu ce dispositif d'accompagnement et on a pu accompagner aussi des associations guinéennes qui ont déposé, et là c'était des projets dont le budget minimum était de 15 000 euros et qui pouvaient aller jusqu'à 200 000 euros. Donc c'est des projets, donc je pense qu'il y a eu à peu près une dizaine de projets qui a été reçu et dont voilà, la moitié je pense pourrait passer. On n'a pas encore les résultats proprement dit, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'on va continuer justement dans le cadre de la CAGF parce que c'est quelque chose qui pourrait apporter énormément à nos parents qui sont restés là-bas. Le constat était que la CAGF n'est pas seulement un lieu de rencontre et d'événements, c'est aussi un lieu où on peut apporter quelque chose à travers des choses concrètes. Hein. Et justement, les associations membres de la CAGF sont conviées à y participer pour apporter un apport à ce volet-là. Et justement, là-dessus aussi, à travers les projets, on s'est dit pourquoi ne pas engager un autre projet d'un des membres de la CAGF pour accompagner la jeunesse guinéenne à mettre en place un dispositif de recrutement. Donc c'est ce qu'on a engagé qui aura lieu ici à la mairie de Paris le 8 et le 9 novembre, le salon de l'emploi qui est accompagné par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle guinéenne. Donc vous avez dû voir ça dans les médias. Donc, ça c'est aussi une initiative de l'association des jeunes guinéens de France qui est membre de la CAGF et porté par l'État guinéen aussi, accompagné par l'État guinéen à travers un partenariat qu'on a mis en place. Et cette action-là aussi démontre encore une fois quel apport on peut apporter à cette jeunesse guinéenne, parce que le constat était que la jeunesse terminait les études ici, venait étudier, terminait les études et se demandait quoi faire. Et finalement, non pas d'issue, se mettre à travailler soit au McDo, soit faire des petits boulots de nuit. Donc on s'est dit, comment faire pour que ces jeunes-là soient conscients, comme les jeunes sénégalais, comme les jeunes béninois, comme les jeunes togolais, qui eux finissent les études, ont tout de suite envie de rentrer. Donc l'idée c'était, comment aider cette jeunesse à aussi avoir une vision lointaine de ce qui se passe chez nous par rapport aux débouchés. Et donc justement, là, il y aura une trentaine minimum d'entreprises qui vont venir ici le 9 et le 10 pour expliquer les possibilités d'emploi de la jeunesse guinéenne, que ce soit des débutants ou des confirmés et même des créateurs d'entreprises. Donc l'État guinéen sera là à travers le ministre de l'Emploi, donc Son Excellence aussi sera là. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup de choses à faire, on peut le faire, on peut y arriver. Donc surtout, il faut accompagner cette jeunesse, justement, et surtout aussi, il y a des femmes que je sais qui sont actives là-dedans. Voilà, donc, par rapport au projet, c'est un volet qu'on va continuer à suivre, et aussi par rapport au Salon de l'Emploi, c'est une première initiative qui va se perpétuer au fil des années pour, justement, inciter la jeunesse guinéenne à aller prendre à bras le corps
le développement de notre pays d'origine. Il m'a été demandé par le président Kernot de présenter brièvement la réforme, parce que j'ai demandé à Blake de faire en 5 minutes. Je vais essayer de faire en moins de 5 minutes de la structure. De la restructuration de la CAGF. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes qui ont reçu la réforme qui a été proposée par la commission qui a été mise en place par le bureau de la CAGF. Donc il s'agit très concrètement d'essayer de prendre en compte la dimension internationale de la diaspora guinéenne, puisque nous avons M. Diarra qui est ici présent, qui a rappelé la démarche entreprise par les Maliennes, notamment en 91, jusqu'à arriver à mettre en place une structure qui représente tous les Maliens de l'étranger, en tout cas qui est représentative de tous les Maliens de l'étranger, dans le cadre du droit privé, puisqu'on sait qu'il y a deux modèles qui existent en la matière. La structure de droit privé, c'est-à-dire que la création d'une association, d'une fédération qui est reconnue par l'État, et la structure de droit public qui est créée par l'État. On sait que les Français ont choisi ce modèle, qui est un modèle qui n'est pas mal, dans la mesure où ça permet d'évoluer, comme c'est le cas actuellement, vers une assemblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation des Français de l'étranger, c'est une assemblée, c'est considéré comme une collectivité, qu'on appelle toute France à l'image de notre maire. Donc c'est un modèle qui est extrêmement élaboré, et je pense que les deux cas sont possibles. Actuellement, on a le gouvernement guinéen qui prévoit la création du Haut Conseil dans le cadre du droit public. Il y a aussi des démarches qui sont entreprises au niveau des associations pour avoir éventuellement soit le cadre étatique qui est prévu, soit un cadre de droit privé à l'image de ce qui a été réalisé par nos amis maliens. Pourquoi une structure à dimension internationale? C'est justement pour avoir le vote effectif des Guinéens de l'extérieur, le vote effectif. C'est pour avoir la représentation des Guinéens de l'extérieur dans les institutions républicaines, comme se fait au Mali. Et comme on le sait, en France, le Sénat, depuis après la Seconde Guerre mondiale, on a les Français de l'étranger qui ont des sénateurs qui sont présents au Sénat. Cette année, en 2012, on a eu l'élection des députés des Français de l'étranger. Et donc au Mali, on a les députés des Maliens de l'étranger, même s'il y a des difficultés pour arriver à l'effectivité de la chose. Mais c'est de nous inscrire dans cette démarche-là que la CAGF a mis en place une réforme en plus de son objet social de base. On a mis en place un objectif de mettre en place un cadre qui permet de tenir compte de la dimension internationale des Guinéens de l'extérieur. La deuxième partie de la réforme concerne la structure même, l'organigramme de la CAGF. On sait que l'organigramme qui avait été mis en place justement à l'époque, il y a un certain temps, répondait évidemment aux besoins de l'époque, mais a besoin aujourd'hui d'une évolution. Il s'agit donc d'une structure qui compte aujourd'hui plus de 160 associations et qui était représentée par une assemblée générale et un bureau. Donc on s'est dit qu'à l'image des structures similaires, qu'il convient de mettre à trois étages, c'est-à-dire l'assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau. Et dans le cadre de l'Assemblée Générale, il s'agit de faire des transferts de compétences, mais comme je veux gagner du temps, ça je vais économiser. Mais au niveau du Conseil d'administration, il convenait de mettre en place de tenir compte de la diversité de la Guinée et de mettre en place un conseil d'administration avec des collèges pour que tous les Guinéens se sentent représentés dans la structure. Et c'est cette réforme qui est proposée aujourd'hui. Et en troisième lieu, le bureau, mettre en place un bureau fonctionnel, parce qu'on sait que le bureau actuel de la CAGF compte 16 membres, 160 ce serait un peu trop, 160 associations hein, dans le bureau et dans la structure, mais 16 membres du bureau, et 16 membres du bureau, on sait qu'en réalité c'est pas très fonctionnel, donc il s'agit de réduire le bureau à 6 personnes au maximum, avec quelques vice-présidents qui sont autour du président et des vice-présidents qui sont thématisés, c'est-à-dire qui sont chargés des questions bien définies pour des raisons d'efficacité. Alors donc, je ne vais pas développer davantage puisque je pense que la plupart d'entre vous ont reçu la documentation et nous aurons en version PowerPoint, dans un cadre beaucoup plus élargi, une présentation détaillée des différents objectifs qui ont été retenus par le bureau et que nous espérons sera validée par une grande majorité du bureau puisqu'il faut une majorité qualifiée pour les changements des statuts. Donc je vous remercie de votre attention. Donc, je reprends ma casquette de modérateur.
pour revenir auprès de nos personnalités ici présentes, qui sont très impliquées et qui vont nous dire très rapidement quelques mots. Et puis après, on va faire les échanges. Je ne sais pas qui va commencer, si c'est M. Souma ou M. L'information intéressante. Évidemment, félicitations pour tout ce qui se fait. Je ne vais pas être long parce que je pense qu'il est important que vous preniez la parole et que vous participiez au thème de ce débat qui est le rôle des migrants dans le développement du pays d'accueil. Moi, je voudrais juste dire que l'immigration, mais c'est chez moi une ritournelle, je dis souvent cela, l'immigration est une chance pour la France, on le sait. Michel Noir l'a dit il y a plusieurs années. Nous, nous le savons au quotidien. Vous savez que le différentiel financier entre ce que coûte l'immigration et ce que rapporte l'immigration est de 12 milliards d'euros, 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Ça, c'est une réalité statistique, scientifique. Mais l'immigration, c'est aussi une chance pour les pays d'accueil. Et je salue l'initiative de la coordination, bien sûr, par rapport au forum de l'emploi, tout ça, c'est très bien. Mais je pense aussi que c'est important que les migrants qui sont ici, parce que tout le monde ne peut pas rentrer, continuent de contribuer par leurs actions et beaucoup agissent au quotidien. Je vois dans la salle plusieurs représentants d'associations qui sont des acteurs de développement des différentes localités dont ils sont originaires. C'est important de continuer cela. Je le dis souvent, beaucoup de Guinéens vivant en Guinée vivent grâce à l'apport de leurs frères et sœurs qui vivent ici en France et c'est important que ça continue. Bon, évidemment, il ne faudrait pas que ça se transforme en assistanat. Il faudrait plutôt qu'il y ait des actions de développement, qu'il y ait des projets précis qui soient élaborés en direction du pays, parce que tout ça peut permettre justement de contribuer au développement de la Guinée. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais apporter pour ne pas être long et permettre que d'autres prennent la parole. Il faut être fier de ce que nous faisons, peu importe que les pouvoirs publics, je dis ça par rapport à mon frère Diarra, qui disait qu'ils avaient été très mal vus au départ par les pouvoirs publics, mais à la limite, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est d'agir, que les gens là-bas vous donnent acte, le considèrent, ne le considèrent pas, peu importe, parce que tout ça, c'est des gouttes d'eau parfois, voire des fleuves, mais tout ça va contribuer à enrichir la Guinée et à faire de ce pays, je l'espère, je le souhaite vivement, un pays émergent parce qu'il le mérite, il est doué de qualité, il est doté de ressources naturelles, mais surtout de ressources humaines que vous représentez tous ici aujourd'hui. Merci. Nabi Babi Souma, qui est président d'honneur du club Demain à Guinée, donc va nous dire deux mots. Naturel, mais je dirais à Sorel, à l'excellence, que la Guinée est un géant assoupi. Comment réveiller ce géant assoupi qui a des potentialités énormes? Comment passer de nos potentialités à la richesse? Parce que pour passer de la potentialité à la richesse, il faut qu'il y ait comment dire, l'utilisation des ressources humaines et qui a fait défaut jusqu'à présent. Donc moi, je voudrais féliciter d'abord la coordination et rappeler à l'excellence que grâce à la coordination en 1996, qui a été l'acte fondateur, grâce à la coordination, on a tissé des relations confiantes et fraternelles avec l'ambassade. Parce qu'avant ça, ce n'était pas le cas. Donc la coordination y a beaucoup contribué. D'autre part, elle a pu structurer la communauté guinéenne de France. Et tout à l'heure, il y a eu un petit échange entre M. Camara et vous sur la dépersonnalisation des institutions. Vous le regardez beaucoup. Moi, je voudrais simplement dire une chose. D'un, la Guinée, il n'y a que deux pays qui ont été indépendants. En Afrique. C'est la Guinée par la voie des urnes, lors du processus référendaire de septembre, du 28 septembre 1958, avec 97% des suffrages exprimés. C'était un acte d'unité nationale. Ensuite, il n'y a que l'Algérie, par la voie militaire, grâce aux accords d'Évian de 1962. Ce sont les deux seuls pays indépendants en Afrique. Tous les autres ont une indépendance fictive. Donc, c'est lui. C'est le point de vue. Ça, c'est pour moi. Indépendance octroyée, si je pourrais être correct. Indépendance octroyée. Octroyée, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que, vous savez, il y a dans le groupe Espoir de Guinée qui dit dans une chanson une chose importante. Parce que
Un chef, il faut se soucier de ta sortie. Il ne suffit pas d'être élu. Il ne suffit pas d'amener ton pays à l'indépendance. Il ne suffit pas d'être élu démocratiquement. Ce qui est le plus important, c'est ta sortie. Parce qu'après 54 ans, après ce que Sorel vient de dire, comment se fait-il qu'avec toutes les potentialités que nous avons, nous en soyons là? Nous en soyons, grâce à votre effort, c'est vrai, en 18 mois, à avoir ce point d'achèvement PTT. Parce qu'il y a eu quand même la gabegie. Donc moi, je voulais simplement qu'on pense à une chose. Un chef doit être garant de l'unité nationale. Un chef doit apporter le bien-être à ses concitoyens. Donc, comme on dit en droit, gérer un bon père de famille, quand léguer un bon héritage à ses enfants. Donc, j'espère, je souhaite bonne chance à la Guinée. Je souhaite que le président actuel mette l'accent sur l'unité des Guinéens, à laquelle nous attachons beaucoup, et le bien-être de nos compatriotes. Parce que la Guinée, quoi qu'on dise, c'est notre point d'ancrage à nous tous, quel que soit le lieu de notre résidence. Le grand défi, c'est comment réveiller les géants assoupis. Je vous remercie. Je la fête. Et donc, je vais donc passer la parole, puisque peut-être qu'il y en a qui souhaitent échanger avec nos invités et nos intervenants. Mais surtout, donc, je vais d'abord passer la parole aux associations, sans lesquelles on n'a pas de coordination, puisque nous, on est l'association des associations. Et donc, je passe la parole à M. Bachir, qui a fait le déplacement de Strasbourg, qui est donc représentant de la CNJGF. Et voilà, le Conseil national des jeunes Guinéens de France. Et donc, je rappelle que le Forum de l'emploi, c'est l'initiative de l'AJGF, qui est accompagnée certes par la CAGF, mais c'est l'initiative. Alors, je voulais d'abord remercier la coordination pour cette organisation et puis saluer la présence de Son Excellence, le vice-président du foyer. Donc, moi, je suis Bachir Diallo, je viens de Strasbourg, je suis chargé des affaires sociales du Conseil national des jeunes Guinéens de France. Et je vais d'abord présenter le Conseil national qui a été créé en 2008. Et qui par 20 associations qui regroupent aujourd'hui en son sein 32 associations d'étudiants et de jeunes Guinéens de France. Ils s'occupent principalement de l'accueil et de l'intégration des jeunes, des primo-arrivants, les étudiants guinéens qui arrivent en France ici en général, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas où dormir. Donc le Conseil national permet aux associations qui sont représentées en son sein d'accueillir correctement ces primo-arrivants et de les accompagner dans les premières démarches administratives. Donc ensuite, il s'occupe aussi de la promotion de la culture guinéenne à travers l'organisation des débats, à travers des semaines culturelles et pour vanter les potentialités culturelles de la Guinée. Ensuite, le Conseil, aujourd'hui, à l'occasion de ce 54e anniversaire de notre indépendance, il y a les associations de Grenoble, de Lille, de Lyon et de Saint-Étienne qui fêtent en même temps que nous. Le Conseil national a choisi d'être auprès de la CAGE dont elle fait partie pour fêter l'indépendance de la Guinée. Donc le message que le Conseil national a à faire passer, c'est que profitons de cette occasion pour que, à partir de cette année, la jeunesse guinéenne soit plus représentée, que la jeunesse guinéenne prenne toute la place qu'elle mérite au sein des institutions guinéennes, parce que sans la jeunesse, nous n'irons pas très loin. Ensuite, l'autre volet, et c'est le retour des jeunes diplômés qui est aujourd'hui défendu par la JGF et sur lequel aussi travaille le CNJGF. Donc c'est un point sur lequel les autorités guinéennes doivent s'impliquer et soutenir, car sans la jeunesse, je pense que nous aurons beaucoup de difficultés à nous en sortir. Ensuite, n'ayant pas pu échapper à l'actualité, je voudrais quand même demander aux politiciens guinéens, d'abord à l'opposition, d'arrêter d'exhiber les jeunes qui décèdent comme des trophées, parce que ce sont des jeunes qui doivent avoir un avenir. Demander aussi aux autorités d'arrêter, et principalement à l'armée, d'arrêter de tirer sur ces jeunes, car ils méritent autre chose que d'être des martyrs. Nous n'en avons plus besoin, nous avons essayé de martyrs aujourd'hui.
Donc nous... D'accord. Nous lançons un appel au nom des jeunes Guinéens de France pour un consensus sur la CENI et l'organisation rapide des élections pour mettre en place des institutions solides et fortes sans lesquelles rien n'est possible. Parce que nous n'avons pas besoin d'hommes forts, nous avons plus besoin d'institutions fortes. Tout ce que je voulais dire, c'est que les hommes passent, les institutions doivent rester et doivent garantir la pérennité de notre démocratie. Et donc je finirai par citer la devise de l'Association des étudiants guinéens de Strasbourg, dont j'étais l'ancien président, c'est que seul je vais vite, mais ensemble nous irons loin. Donc je vais passer, alors c'est une minute parce qu'il y a la partie artistique derrière, il y a les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, il faudra qu'on leur laisse la possibilité de s'exprimer et on doit libérer la salle comme vous le savez à 18h30 maximum. Donc je passe la parole à M. Bassi Radio qui a fait le déplacement de Lille et qui doit prendre son train et qui va nous parler juste une minute. Mes chers compatriotes. Je salue son Excellence l'ambassadeur de Guinée à Paris, M. Amara Camara. Je salue le vice-président du Forum, M. Diarra. Et je vous salue tous, chers invités, pour votre participation à cette journée de commémoration en fait, donc, de l'indépendance de la Guinée. Je remercie cette initiative aussi prise donc par la CAGF d'organiser cette manifestation d'aujourd'hui, car il appartient à tous les citoyens guinéens et plus particulièrement aux organisations représentatives de ces Guinéens de se mobiliser chaque fois que la question nationale est posée. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que si nous parlons des 54 ans d'indépendance de notre pays, nous avons besoin d'un sursaut aujourd'hui. 54 ans après notre indépendance, quoique fût grande notre fierté d'avoir été le premier pays à accéder à l'indépendance, eh bien, le bilan est plus que négatif dans notre pays. Il n'est pas normal que la conscience politique qui a prévalu au peuple guinéen de se mobiliser massivement pour notre indépendance, ce n'était pas donné. Et pourtant, le peuple guinéen l'a fait. Pourquoi 54 ans après, nous continuons de souffrir dans notre pays où une des premières revendications, c'était notre liberté. Notre liberté. Que l'on puisse vivre en paix et en dignité dans notre pays. C'est pourquoi je vous appelle tous. Le rôle qu'ont à jouer les intellectuels, les cadres, les techniciens, les ouvriers dans le développement de notre pays. Nous avons un rôle fondamental. Mais il est certain, mobiliser les ressources humaines de notre pays, ça ne peut pas se faire en dehors de la politique. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent. Nous avons besoin d'un leadership dans notre pays. Nous avons besoin de leadership. Nous avons besoin de dirigeants qui aient conscience de cette longue attente de notre peuple. Il faut qu'on aime notre peuple. Ce n'est pas aimer la Guinée simplement comme ça. C'est aimer notre peuple. Notre peuple n'a que trop souffert. Que les intellectuels, que tous ceux qui ont en charge la vie politique de notre pays, qu'ils nous garantissent l'unité nationale et qu'une des conditions de cette unité nationale pour notre développement, c'est d'abord la paix dans notre pays. L'ambassadeur parlait tout à l'heure que la Guinée est une famille. Oui. Et alors, de ce point de vue-là, plus d'ethnocentrisme dans notre pays,
plus de régionalisme dans notre pays, que nous puissions, nous tous, ensemble, nous donner la main pour avoir conscience que nous sommes tous des citoyens guinéens et que la Guinée ne se développera pas tant que on n'aura pas réussi ensemble à consolider l'unité dans notre pays. L'unité nationale est la condition de la paix. Avec la paix, nous pouvons développer notre pays. Que l'on cesse de nous parler tout le temps que la Guinée est scandale géologique, la Guinée est grenier, pourrait être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Le problème de la Guinée, c'est d'abord nous, les humains. La ressource humaine est le premier capital pour développer notre pays. Sauvons l'homme qui va développer notre pays. C'est pourquoi donc, je vous dis une chose. Nous parlons ici aujourd'hui donc du rôle des migrants. Nous ne sommes pas migrants par hasard. Si nous sommes migrants, c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies ou favorables pour notre maintien et notre participation active au développement de notre pays. Je viens de prendre ma retraite en France. C'est l'école guinéenne, c'est notre peuple. C'est notre peuple qui a financé nos études à nous tous. Nous avons cette dette vis-à-vis de notre peuple. Personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il a financé ses propres études. Personne. Ce sont les impôts payés par notre peuple qui nous ont permis d'être là où ce que nous sommes. Mais le savoir que nous avons acquis, à qui il a servi? Pour moi, ça a été le Mali, ça a été le Sénégal pendant 4 ans, et c'est la France depuis bon maintenant 38 ans. Et pourtant, nous tous ici, nous avons des compétences qui auraient pu servir au développement de notre pays. Mais que le savoir que nous avons a servi à la France. Lorsque tu évoquais les 12 milliards des migrants, le solde positif, eh bien c'est plus que ça. Ce que nous avons laissé à toutes les générations en France, ou au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout, les Guinéens, partout, ils ont travaillé. Eh bien, le capital humain que nous formons a participé au développement de nombreux pays, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il faut qu'on ait conscience de cela. Je veux tout simplement vous dire, mobilisons-nous aujourd'hui, qu'un ambassadeur qui est là, il est le porte-parole, il est le représentant de tous les citoyens guinéens. Qu'il dise au chef de l'État guinéen, assez de division dans notre pays. Nous voulons l'unité nationale, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la prospérité dans notre pays, cela est possible. De grâce, je viens de Lille. Je demanderai à tous nos compatriotes que la prochaine fête de l'indépendance de la Guinée soit l'occasion d'une mobilisation massive de tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Je suis déçu aujourd'hui parce qu'à Paris, vous êtes les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux en France et même en Europe. Je suis déçu qu'il y ait si peu de monde. Je suis déçu qu'il y ait si peu d'associations. On parle de 160 associations. Où sont-elles ici? Où sont-elles? Je veux vous dire, je viens de Lille. Je suis arrivé le premier, parce que je suis arrivé depuis 11 heures à Paris. Et à toutes les manifestations, tous les anciens ici le savent, je suis membre fondateur de la CAGF. Tous le savent. J'arrive toujours parmi les premiers à toute activité de la CAGF, du Rassemblement des Guinéens à Paris. Pendant ce temps-là, que font les Parisiens, que font les Guinéens? J'ai coutume de dire, les anciens le savent, Paris, ce n'est pas la capitale de la Guinée. Paris, ce n'est pas la capitale de la Guinée. Eh bien, je vous demande à tous, plus que jamais, mobilisons-nous, donnons-nous la main, que la solidarité soit forte entre tous les Guinéens, pour qu'ensemble, nous puissions léguer un pays pacifié, un pays qui va représenter tous les espoirs pour toute la jeunesse qui aujourd'hui souffre en Guinée, souffre à l'étranger. Monsieur son Excellence l'ambassadeur, je vous attends à Lille la semaine prochaine. Les étudiants nous ont confirmé votre venue. Ce sera l'occasion de vous présenter nos doléances concrètes
bon, par rapport en tout cas à ce qu'attendent les jeunes Guinéens aujourd'hui, présents en France, mais aussi au travers des jeunes qui sont ici. Nous parlerons des jeunes qui sont à l'étranger. Et ensuite, parce que je vais en Guinée depuis 1985, je suis président d'une des premières organisations à avoir pris l'initiative de participer aux côtés de nos populations, bon, pour développer en fait la santé et l'éducation dans notre pays. Depuis 1998, les hôpitaux de Mamou, de Dalaba, de Pita reçoivent une ONG que j'ai même, moi-même introduite, bon, pour développer la santé. Ils ont fait Télimilé, ils ont fait Dubreka, Conakry, etc. Eh bien, donc c'est pour vous dire, Son Excellence l'ambassadeur, pour moi, je salue votre présence ici. Entendez bien mon cri. Entendez bien ce cri. C'est le cri de notre peuple. Merci beaucoup. Nous voulons le développement de notre pays. Alors, je voudrais dire aussi à notre frère du Mali, nous sommes aujourd'hui plus que jamais préoccupés par la situation au Mali. La question de l'unité territoriale, de la défense de l'intégrité territoriale du Mali, est une question centrale qui ne concerne pas uniquement les Maliens, mais concerne tous les Africains. Et de ce point de vue-là, nous sommes aux côtés du peuple malien, parce que le peuple malien, le peuple guinéen, c'est le même peuple. Merci beaucoup. Voilà. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Afisa, Ferdi Gombo, Imake Johnny, Jay Bolo, Lenny Bolozi, Yi Monsal et Tadi, Mengi Yoyama. Voilà quoi, ça, ça vous dira quoi, ou non, non, et Mounia, Akafo, ou non. Comme le colonne, la Joyara, ou le Cadigne, Monsieur Tigondoni, Nicaragon, et c'est lié. Fini Kondira, Kaifini Kondira, Itayo, Iraseyo, Abri, Imangenambi, Narei Romanema, Kifini Kondira, Ibrafini Esquilabra, Nagui, No, Maman Yetena Roma, Hadushi Muni, Nalun Yetera, Firmagane Ture, Firmagane Ture, Tumonoman Yamrete, Alae Hinala. Si ma gagne touré, tout mon nom est abrété, Haja Minata Deke, Minata Sekou. Laïla, ilala, laïla, ilala, Dio, laïla, ilala, c'est vrai. Codena tout mon âle, codena vati. N'a mon papa.
Bamba Ansari, Hansé Boutouré.